à tous et à toutes. Alors, aujourd'hui j'avais envie de faire une petite vidéo à propos du service santé au Japon en fait. Donc la vidéo sera plus calme. Bon là je viens de tourner une vidéo, elle sera sortie normalement. Là je suis justement en train de l'uploader. Donc là ce sera une vidéo plus calme parce que l'autre j'étais en train de gueuler un peu. Pour rien, je pense, mais bon, c'est pas grave. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo qui va vous parler du service santé. Parce que là, j'ai fait des. Et je vais vous donner aussi des conseils. Parce que ces derniers temps, là, donc au Japon, bien sûr, j'ai eu des petits soucis de santé. Bon, je vais pas vous dire ce que j'ai eu, parce que ça sert à rien. Je voulais juste vous parler de comment ça marche et comment ça se passe. À savoir que je suis allé très rarement dans des hôpitaux en France. J'ai eu, bien sûr, comme tout le monde, mais pas tant que ça, donc j'ai pas souvenir en fait, j'ai pas de gros souvenirs si tu veux. Et puis disons qu'en France ça change pas trop dans le sens où tout est comme ça. Que tu ailles dans un hôpital ou autre part, ça change pas en France. C'est tout le temps la même organisation. Au Japon c'est à peu près pareil. Tu me diras, mais quand tu es étranger, quand tu dois aller à un truc plus ou moins habituel en France, mais finalement c'est plus habituel. Donc, je voulais vous montrer juste deux, trois choses. Est-ce que j'avais préparé les trucs? Ah, c'est là. Je vais vous montrer en fait plusieurs choses. Donc, première chose, à un moment donné, je me suis aperçu que j'avais des douleurs et tout ça. Du coup, je suis allé à une clinique spécialisée dans ce que j'avais. Bon, c'était très compliqué, du coup, je suis reparti bredouille pour se faire comprendre si on n'a pas un minimum de japonais ou une personne, une amie, enfin, un ami qui parle la langue pour traduire. Bon, si vous n'avez pas tout ça, c'est impossible. Première chose. Donc, deuxième chose, donc je suis parti, bredouille, et je suis allé à notre endroit. Donc, si vous avez besoin, dans les commentaires, vous me posez des questions et je vous donnerai des liens, tout ça. Ceux qui sont au Japon, du moins, ou ceux qui vont aller au Japon. Voilà. Donc, je suis allé à une clinique spécialisée dans les étrangers, quoi, en fait, en gros. C'est pour les étrangers. Alors, il y a deux choses. À cet endroit-là, la sécurité sociale japonaise ne marche pas. Première chose. Donc, du coup, si vous avez une assurance, bien, l'assurance va marcher. Par contre, voilà. Donc, après, bon, ça s'est très bien passé, hein. Il y a des gens qui parlent anglais. Il faut bien sûr parler un minimum d'anglais. Et je sais qu'il y a l'un des toubibs que j'ai pas eu à faire parce qu'il n'était pas là. Parle français, il y en a un qui parle français a priori, donc ça c'est enfin il me semble que c'est un homme, c'est un Allemand je crois, plus exactement. Bref, donc voilà, donc après j'ai eu un entretien avec un toubib et après on m'a dit de prendre rendez-vous, donc ils ont pris rendez-vous pour moi avec un spécialiste. Donc j'y suis allé et c'est de ça que je vais vous parler à l'heure actuelle. Donc je suis allé à l'hôpital. Donc on m'a très gentiment expliqué, on m'a donné un plan et tout ça. Alors je vais vous sortir ça. Donc on m'a donné un plan, on m'a dit ben allez à tel endroit. Si je le retrouve. Voilà. Donc on m'a donné un plan. Ah, j'ai un polio. Donc bien, on m'a filé un plan, on m'a imprimé, on m'a montré le plan, quelle station prendre et tout ça et tout. Donc le rendez-vous, en fait, chez nous, quand on prend un rendez-vous, si on dit à 9h30, vous avez le rendez-vous. Au Japon, c'est un créneau horaire. C'est-à-dire qu'en fait, on vous dit entre 9h et 10h. En gros, c'est ça.
Après, on m'a donné donc le plan de l'intérieur pour me dire où aller. Donc, bon, bien sûr, je me suis paumé, j'ai préféré demander mon chemin. Et là, le premier problème est arrivé, c'est que tout se passe en japonais et il n'y a personne qui te parle en anglais. Donc, ils essayent de baragouiner un anglais. Si ils ont des bases d'anglais, sinon, ben, c'est mort. Ils vont. Bon, généralement, ils disent suivez-moi. On suit la personne et puis voilà, donc je suis allé à cet endroit-là. Et à cet endroit-là, ils m'ont donné ma petite carte ici. Je vous la montre vite fait. Est-ce qu'il y a des codes et tout? Non, il n'y a pas de code. Non, il n'y a pas. Non, il n'y a pas de code. Hop, la petite carte. Voilà. Donc, ils appellent ça la ID. Donc, c'est la carte d'identité pour cet hôpital-là. Je pense que c'est uniquement pour cet hôpital-là. Après, il te donne un petit papier, comme ça. Donc en fait, je suis allé au machin, où vous avez rendez-vous tout. Oui. Donc ils m'ont donné un lot de feuilles. Et on m'a dit, allez au troisième étage, au service spécial, spécifique pour ce que vous avez, pour voir le spécialiste. Donc j'y suis allé, boum, et j'ai attendu 2 heures. Après, j'ai vu un toubib, il m'a expliqué deux, trois choses. Il m'a dit, retourne en salle d'attente, j'ai attendu une demi-heure, il était midi. À un moment donné, il était midi, et donc je suis arrivé à 9h30. Je suis un peu de retard, malheureusement. Je suis arrivé à 9h30, donc je suis passé 2 heures après, j'ai vu un toubib, ça a duré 20 minutes. Je suis retourné en salle d'attente, j'ai attendu une demi-heure, je suis retourné voir un toubib, qui était enfin le spécialiste. Quelqu'un d'adorable qui parle anglais par contre. L'autre aussi parlait anglais mais il baragouinait on va dire. Et l'autre il parlait très 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 bien anglais. Le spécialiste était très gentil. Donc il a vu ce que j'avais, il m'a donné des antibiotiques, etc. etc. Après il m'a dit ben retourne dans la salle d'attente, attendez. Donc j'ai encore attendu, je sais pas, à peu près un quart d'heure, 20 minutes. Et on m'a donné une feuille, il m'a dit allez à tel endroit pour faire des tests. Bon. Tout était en japonais, heureusement qu'avec les intentions, le milieu, tout ça, on arrive à peu près comprendre. Mon japonais s'améliore de jour en jour, quand je suis tout le temps avec des japonais autour de moi. Voilà. Mais c'est vrai que c'est quand même assez dur. Après, donc à un moment donné, je lui dis oui, j'ai compris. Et après, j'essaye de lui dire où, en fait. Là, lui dire, mais dites-moi, en fait. J'arrivais pas à trouver les mots. Donc il a commencé à m'écrire en anglais, je lui dis ça j'ai compris. Mais ça. Et je lui dis doko doko. Non, doko ça veut dire où. Je lui dis où. Où. Où c'est ça en fait. En montrant du doigt l'endroit pour faire les tests. Donc elle m'a donné une feuille, elle m'a fait un petit dessin, elle est là, hop, et faites le tour. Voilà. Après, c'est pas forcément différent de la France. Hein. Mais. J'avais envie d'en parler. Donc voilà. Après voilà. Donc je suis allé faire les tests et tout. Il m'est arrivé deux trois trucs assez amusants. Donc elle voulait m'expliquer la fille. Donc c'était pour faire des tests urinaires. Au Japon c'est comme ça qu'ils font. Ils font de suite des tests urinaires et des tests sanguins. Hop, ils les bataillent pas. Et en fait, donc elle voulait m'expliquer, mais elle n'avait pas assez de mots en anglais. Du coup, elle a fait appeler une personne qui parlait aussi bien anglais qu'elle, en fait, finalement. Et donc elle m'explique comment faire, tout ça, donc j'ai pissé dans un gobelet. Et c'est marrant, c'est en y allant, j'ai un gentil monsieur qui m'a expliqué comment faire pour sauter en japonais, en anglais japonaisé, on va dire. Et compréhensible, très très gentil. Et puis il m'a suivi tout le long jusqu'à qu'il fasse lui aussi la prise de sang, juste après moi en fait. On était les deux côte à côte à un moment donné. C'était très intéressant, tout ça. Et donc voilà. Après, donc, une fois que ça s'est passé, il faut aller à la case caisse. Donc, à la case. Paiement. Il faut payer. Et c'est là, je me suis dit, putain, je vais pas tout comprendre et tout, c'est dur. Et c'est là que la fameuse ID est prise en compte. Donc vous avez une feuille, une feuille de. Une ordonnance si tu veux, mais une ordonnance uniquement pour le service d'accueil. Vous donnez ça,
Et après, la fameuse feuille que je vous ai montrée, celle-ci, voilà, c'est une différente, celle-ci, celle que j'ai eue hier. Hier, j'y suis retourné. Cette feuille-là, en fait, ils te disent qu'il faut attendre ce numéro-là, et voilà. Et donc, vous attendez ce numéro. Et il y a des tableaux affichés un peu partout et vous attendez. Dans les tableaux, en fait, il y aura le numéro. S'il apparaît en noir, il faut aller dans les bornes automatisées, c'est les machines. Ou si c'est en rouge, il faut aller directement à l'un des centres d'accueil pour payer. Donc après, vous arrivez à la machine, vous mettez votre carte d'identité, vous la mettez. Ça valide parce qu'en fait à chaque service ils prennent votre carte et il a bip et sa facture en fait dedans. En gros ça c'est une facture numérique. Vous mettez votre carte dans la machine, elle lit et vous dit le montant et vous payez. Une fois que vous avez payé, plusieurs feuilles arrivent, une feuille de la facture, l'ordonnance, parce que vous avez une ordonnance qui tombe si vous avez besoin de prendre des cachets. Et donc après vous allez à notre service, vous attendez votre numéro, il y a A, B, C et le numéro juste à côté. Vous attendez. Et puis voilà. Donc moi quand j'y suis allé la première fois, à 9h30 je suis arrivé, à 15h je suis sorti. Je peux vous assurer que j'étais extrêmement épuisé. C'était épuisant, vraiment épuisant. C'était très dur. Mais intéressant. Mais intéressant. J'avais pas mangé depuis la veille en fait en gros. Mais bon, c'est juste de la vie. Voilà. Donc en fait, au Japon, ça se passe comme ça. C'est assez automatisé finalement. Il y a beaucoup de choses automatisées. Donc, comme je vous ai dit, vous avez une ordonnance et vous allez à l'endroit. Vous avez déjà tout payé. Donc du coup, vous avez juste à prendre vos cachetons et vous barrer. Et après, ils vous donnent dans une petite feuille comme ça. Le fameux cacheton à prendre, tout ça. Et puis voilà. Puis voilà, tout simplement. C'est assez simple en fait. Est-ce que c'est mieux que la France? Oui, peut-être. Et est-ce que c'est pas mieux? Oui, peut-être aussi. Parce qu'en fait, il y a de l'attente. Je comprends pourquoi il y a de l'attente finalement. Parce qu'en fait, il y a de l'attente, c'est que c'est en fonction du monde qu'il y a. Et c'est surtout parce que vu qu'ils bipent, et puis après, ils envoient une information à un service, et le service doit préparer tes affaires. Donc en fait, tu as une attente, parce que le service prépare les affaires. Donc finalement, l'attente est assez logique. Pour certains trucs. Et tu as un temps de passage, tu as déjà des gens. Chose à noter, il y a beaucoup de personnes âgées. Énormément de personnes âgées. Mais vraiment, et c'est un truc de fou. Quand on dit que la population japonaise est vieillissante, c'est pas des conneries. Après donc, quand je suis allé à la clinique pour étrangers, ils m'ont donné des cachets. Et au Japon, ça se passe comme ça. Alors je vais éviter de vous montrer des trucs. C'est juste des antidouleurs, hein. En gros, ici, il y a le nom et tout ça. Le nom de la pharmacie, l'adresse, tout ça, quel toubib a prescrit ça, le nom du machin, hop, il y a tout ça ici. Et le nombre, c'est même marqué le nombre de médicaments à prendre. C'est marqué ici, à prendre 3 fois dans la journée, une tablette 3 fois dans la journée pendant 10 jours. Pareil pour celui-ci, c'est en prendre deux. Entre 4 et 6 heures, on peut en reprendre pendant 10 jours aussi. L'autre, c'est un antibiotique. Et voilà. Et au Japon, ils donnent la quantité nécessaire. Alors là, il m'en reste. Il m'en reste, j'ai fini le traitement. Il m'en reste parce qu'en fait, j'ai pas vraiment respecté la dose. Parce qu'à un moment donné, mais j'avais vraiment plus mal et tout ça, donc j'ai préféré arrêter. Voilà. C'est juste des antidouleurs en fait. Et un anti-inflammatoire. Et au pire, l'anti-inflammatoire, je reprendrai si j'ai des douleurs dans le genre qui revient. Voilà. Hop.
Donc au Japon, et si on te dit vous devez prendre 10 cachets, vous avez 10 cachets. En France, c'est la boîte qu'on vous donne. Donc finalement, est-ce que c'est mieux pour certaines choses? Oui, le Japon, c'est mieux. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Bon, j'ai pas envie de vous montrer ma feuille de test sanguin parce que c'est personnel. Après, c'est comme chez nous, c'est exactement la même chose, c'est marqué tout en japonais. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je crois que j'ai fait le tour. J'espère que ça vous a plu cette vidéo. J'ai juste parlé, j'ai pas d'image, tout ça, parce que ça évite de faire beaucoup de montage. Et puis, je vois pas pourquoi je ferais beaucoup de montage sur ça. C'est juste de la découverte. Il suffit juste de m'écouter. De toute façon, vous pouvez faire autre chose. C'est ça l'intérêt. Je parle et vous pouvez faire autre chose. Vous pouvez cuisiner à côté. Vous pouvez, je sais pas, jouer sur le portable, jouer, je sais pas, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez faire autre chose. Ça permet de pas rester à faire uniquement une chose, c'est-à-dire regarder une vidéo. Je ne veux surtout pas vous piquer de votre temps libre. C'est pour ça que je fais des vidéos le plus court possible, généralement. Donc, que dire après du service santé? Quand j'y suis retourné, ça m'a pris 2 heures. J'avais le rendez-vous entre 9h et 9h30. Bon, je suis arrivé un peu en retard, il y a eu un petit peu de mauvais temps, du coup les trains ont été ralentis. Et à un moment donné, je me suis un peu paumé. Enfin, pas vraiment paumé, mais. Mais voilà, et donc j'y suis allé, un peu de retard, et après t'attends un petit peu, et après t'es vite passé. Puis voilà, donc j'ai eu C'était une femme, là, en l'occurrence, qui parlait anglais. Elle me faisait penser à une chinoise, cette doctor, cette sensei. Elle me faisait penser à une chinoise. Elle avait vraiment le visage de la chinoise typique. Cheveux très noirs, tirés, avec un visage assez ovale. Elle faisait vraiment chinoise. Elle était peut-être japonaise à 100%, mais elle faisait chinoise. Bref, on s'en fout de ça. Donc les services finalement de santé sont bien, il y a beaucoup d'attentes par contre, faut pas être pressé, il faut se prendre la journée, et je pense que c'est ce que font tous les Japonais, ils prennent la journée et après ils la récupèrent un samedi ou un dimanche, la journée qu'ils ont pris chez le toubib. Voilà, je crois que j'ai fait le tour, donc le récapitulatif il est tout simple, donc ils vous donnent les cachetons dans un petit truc comme ça. Avec l'ordonnance et tout, et explication de A à Z du cachet, ce qui, comment il faut les prendre, etc., etc. Donc, il vous donne une feuille comme ça avec votre numéro, qui sera le numéro de facturation. Là, ici, c'est la fameuse préordonnance, en fait. C'est une feuille de facturation. Là, c'est le prix que j'ai eu avec toutes les informations de tout ce que j'ai fait. Donc le prix, bon là j'en ai eu pour 8 euros. Et puis voilà. C'est quoi ça? Bon, c'est pareil, c'est un récapitulatif. Puis voilà, tout est avec la fameuse carte que je vous ai montrée, la ID. Vous bipez et il bip à chaque service que vous allez, il bip. Dedans, ça donne les informations. Et quand vous allez à la machine finale, vous mettez à votre machine, vous payez, c'est votre facture, la facture elle tombe avec l'ordonnance ici, qui est donc en deux parties, ils la coupent après, prennent la partie pour le service pharmacie, et puis voilà. Donc vraiment, le service santé japonais, bah c'est japonais quoi. C'est très organisé, il y a beaucoup d'attentes, mais l'attente, je l'expliquais pourquoi c'était, je pense que c'est pour ça. Je trouve que ma logique est bonne. Forcément, c'est ma logique. Donc voilà. Donc après, que dire d'autre? Ben, bon, après, je vous souhaite pas de le vivre si vous allez au Japon en working holiday ou en tout court. Voilà, parce que bon, aller à l'hôpital, généralement, c'est pas cool. Que ce soit pour soi ou pour quelqu'un d'autre, pour aller voir quelqu'un d'autre, généralement, c'est pas cool. Donc voilà. Donc voilà, je voulais faire ma petite vidéo sur le service santé ça me tenait à cœur parce que je pense que les gens n'en parlent pas trop sur Internet de ça. Donc voilà. Bon. Mais sur ce, moi je vais vous laisser. Je vais vous dire bye bye à la prochaine. Et vu là où on est, on dit matané. Et lâchez un petit pouce bleu.